8e édition des Étoiles du Commerce et de l'Artisanat de Bordeaux à la CCI. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Patrick. Ce sont les offs de Sandrine et Patrick, c'est maintenant. Étoile du public ce soir, ça représente quoi? C'est la meilleure quoi. C'est très ouais, c'est encore ému un petit peu, mais je comprends. Ouais. Selon vous, se porte comment le commerce de proximité à Bordeaux? J'ai un sentiment en fait que les gens sont de plus en plus attachés à retrouver justement chez le commerçant quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs sur l'expérience en ligne par exemple. Mmh. On a affaire à un vrai conseil, un échange aussi. Voilà quoi. Le lien social. Alors vous, le prix que vous aviez remporté l'an dernier, c'est le prix du public. Qu'est-ce que ça a changé pour vous au quotidien, ce prix? Au quotidien, ça nous a donné en fait pas mal de confiance, même dans notre petite entreprise, parce que c'est un salon de thé Working Café, c'est pas une énorme entreprise, on n'avait même pas 2 ans quand on a gagné le prix. Et en fait, du coup, ça nous a conforté dans l'idée qu'on allait ouvrir un deuxième commerce. Donc voilà, ça nous a donné l'élan en fait. Alors Cyril Vido, vous candidatez cette année aux Étoiles du Commerce. Qu'est-ce qui vous donne envie de postuler justement? Alors moi, ça fait 3 ans que je candidate pour les Étoiles du Commerce. Ouais. Parce que c'est pour faire reconnaître mon métier en tant qu'homme, parce que ça n'a pas été du tout facile. Et présenter comme quoi, en tant qu'homme, on arrive quand même à réussir à faire un métier qui est destiné aux femmes. C'est quelque chose, je pense, qui manquait beaucoup. Marie-Belle Bernard, c'était encore une belle soirée, cette 8e édition des Étoiles du Commerce qui a mis justement à l'honneur les commerces. Finalement, on n'imaginerait pas une année sans cette soirée. C'est un moment où tous les commerçants se retrouvent, où ils peuvent parler, échanger, où on peut en mettre à l'honneur à certains, les accompagner tous et les soutenir. C'est formidable.